Yo mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait super super longtemps qu'on s'était pas parlé et que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube, je sais. Mais voilà, je voulais profiter de ce moment là pour discuter ensemble de face à face, comme avant, comme entre amis et puis entre frères et sœurs et puis cousins. Je sais pas qu'est-ce que je raconte là en ce moment. Je voulais faire cette petite vidéo pour savoir déjà comment vous allez. Est-ce que vous allez bien? Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait pendant ce confinement là, ça m'intéresse. Et puis dans cette vidéo, on va parler, on va chit-chatter, je sais pas si ça se dit. Posez-vous, installez-vous, prenez un petit verre d'eau ou du thé. Le thé, c'est bon pour la santé. Dans cette vidéo, on va parler de la journée que j'ai passée aujourd'hui. Rien d'original. Mais oui, c'est clair. Non. Alors, ce matin, j'ai été en ville pour un shooting photo pour une marque de vêtements. Ça s'est super bien passé. On a fait plein de photos. J'ai essayé plusieurs vêtements. J'ai hâte de voir les photos d'ailleurs. Et ensuite, j'ai été au coiffeur avec Mr. John qui m'a fait cette magnifique coiffure. D'ailleurs, John, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Ah ouais, on est parti manger un burger. C'est un nouveau burger qui est au centre-ville. C'est juste à côté de ça en coiffure. C'est à Vini. Je savais pas qu'ils faisaient des burgers d'habitude. Je prends souvent leurs sushis. Ah! Mais là, ils ont ouvert une nouvelle boutique à Papeete. J'ai testé leur fish burger. Ouais, c'est ça, avec des fruits. Et je peux vous dire que c'était plutôt pas mal. Bien évidemment! Bien évidemment! Ensuite, une fois que j'ai fini de manger, je suis revenu ici pour tourner une vidéo pour le Majestic, le cinéma Majestic. Je voulais profiter aussi de ce moment-là pour faire aussi des vidéos pour ma chaîne YouTube. Bien évidemment! Parce que voilà, ça, j'aime bien parler avec vous. J'aime bien quand on communique dans les commentaires, que ça soit sur Instagram ou Facebook, ou Snapchat d'ailleurs. Je suis un peu actif aussi dessus. Ah! Merci beaucoup pour tout votre soutien et ça fait super plaisir. Voilà, donc du coup, j'ai fini de tourner la vidéo et ensuite je vais aller faire les commandes. Ah ouais, je sais pas si vous savez, mais je vends des paquets de fruits. Normalement, vous savez parce que vous me suivez sur Instagram, n'est-ce pas? Si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller dédijanter juste là. Allez vous abonner là-bas, je poste tous les jours. Donc je vends des paquets de fruits depuis, ça fait à peu près une semaine, depuis le début de semaine. Et c'est juste incroyable qu'il y ait autant de personnes qui demandent, qui me contactent pour avoir des paquets de fruits qui viennent récupérer ici. Et ça me fait super plaisir. Merci énormément pour votre implication pour le consommant local. Et ça me fait aussi super plaisir de vous voir par la même occasion. C'est super cool. Je vais finir les commandes, il me reste 2-3 paquets. Et si jamais vous êtes intéressé par des paquets de fruits, les ventes commencent dimanche, lundi, mardi, mercredi, ensuite on n'a plus rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en bas si vous avez des questions sur ces commandes là pour avoir, si vous voulez avoir aussi votre paquet. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous rencontrer parce qu'en fait c'est moi qui prépare les paquets, c'est mes parents qui vont cueillir. Des fois je les accompagne à Papara directement, on cueille le vendredi, on prépare samedi, on vend dimanche. L'agriculture fait vraiment partie de nous depuis tout petit, on grandit dedans, dans la vente des fruits. Mes grands-parents sont agriculteurs, mes parents maintenant ils font de l'agriculture à Papara. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, le fait de se rapprocher de la nature, de voir pousser nos plants. Il faut savoir que tous nos fruits sont bio. Pas de produits chimiques, pas de pesticides, rien du tout, c'est vraiment que du goût. Et d'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel type de vidéo vous souhaiterez que je fasse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vais tous les lire et je vais essayer de les faire. En ce moment, je suis super motivé à faire des vidéos, donc je compte sur vous pour liker, partager cette vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'ai très hâte aussi de vous rencontrer. Ah ouais, ce qui était quand même drôle, c'est qu'en ville, j'étais en ville toute cette matinée-là et ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer. J'ai rencontré certains d'entre vous. Malheureusement, on ne peut plus se faire la bise, se serrer la main ou quoi que ce soit, mais voilà, le fait de vous voir, ça fait juste plaisir. On a pu quand même discuter un peu, même si c'est pas trop permis en ce moment, mais bon, c'est pas grave, tant qu'on discute un peu de loin. Voilà, ça me fait super plaisir de vous voir, de discuter avec vous et de revoir un peu la ville. Ça fait un moment que j'ai pas revu la ville. D'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. En tout cas, j'ai beaucoup parlé, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser ou quoi que ce soit, tout en commentaire. J'ai hâte de revenir très très vite sur YouTube, de vous parler, de partager de belles expériences. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, merci pour tout votre soutien. Dans tous les projets que j'entreprends, d'être toujours présent à me soutenir, à m'envoyer des messages juste incroyables. Merci du fond du cœur. Ça me fait succès des briques, c'est super. Beaucoup de projets sont à venir très très bientôt. J'ai hâte de vous en faire part. En tout cas, les amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos amis, des personnes que vous aimez. Restez positifs, souriez à la vie. Et puis j'espère vous revoir très 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 vite. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Maruru, Nana, et à bientôt les amis. Ciao. Oh, pshhh!